Et salut à tous et à toutes, c'est Mathieu Messin, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va tranquillement pas de problème aujourd'hui, c'était hier comme d'habitude. Donc les amis, en fait j'ai une petite idée que je n'aurais pas évidemment dit dans la première vidéo, première partie si je puis dire. Donc les gars, on se retrouve sur The Last of Us, non, sur Dying Light les gars, pour une carte personnalisée hashtag 2 les gars. Donc évidemment en vidéo je l'aurais mis puisque je ne l'ai pas encore mis la première, donc j'aurais mis hashtag 1. Donc là en fait je vais essayer de vous montrer je pense les 4 cartes personnalisées de quelques personnes, je crois qu'ils ont fait une... Pardon, je vais arrêter de bugger s'il te plaît, je te calme. Et en fait il n'y a que 4 cartes personnalisées de fans de Dying Light et d'autres jeux je pense, qui ont été sélectionnées par Technand, c'est eux qui s'occupent du jeu. Et donc la première c'était Pépointé, le jeu qui fait flipper comme je vous ai dit. Donc voilà, des petits screamers, je suis encore un peu la chair de poule, mais bon, c'est pas grave. On va partir sur Space Mission, let's go. Donc je crois que c'est la première, hein. Je crois que c'est la toute première, j'avais commencé par la troisième, mais bon. Ok, activer les invasions, ok. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, donc quitter le vaisseau. Donc là les gars, je crois qu'on va jouer Dying Light dans l'espace, donc ça a l'air pas mal. Merde. Donc voilà, donc ça c'est une petite nouveauté, donc je sais pas si c'est un jeu d'horreur, enfin vraiment horreur en mode screamer. Ok, donc par contre, oh les mecs, regardez Dying Light dans l'espace, ça c'est génial ça. Par contre il y a une main ici, c'est dégueulasse. Enfin voilà, donc là les gars c'est Dying Light dans l'espace, oh mais les mecs, regardez-moi cette, regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Dying Light dans l'espace les mecs, mais c'est génial. Par contre, ton vaisseau il est un peu. ton vaisseau il est un petit peu pété, mon frère. Atteignez capsule. Ah merde! Merde, c'est limité, je suis con! Vite, faut y aller. On va passer par où? Par là? Merde, putain, c'est limité! Go, 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 go! J'ai pas vu que c'était limité dans le temps, moi. Il reste 3 minutes là. On me touchait la nouille là. Ok. Hop là, j'ai pas le temps moi. Je suis un assassin, je fais des trucs un peu malsains. Non. T'es lion, tu meurs jamais en fait, le truc c'est... Ah mais, ah non, attends. Ah mais, ah, en plus tu respawn à l'endroit où t'es... Enfin, à l'endroit du début quoi. Ah oui. En mode, le respect a disparu quoi. Ok. Donc les gars, on va se dépêcher mais... Pas trop non plus quoi. Ok. Non. Ouh, je me suis rattrapé. Ok, mais j'étais tombé à peu près vers là. Il était de tomber. Ce serait con. Ok. Je pense qu'il a mis assez de temps, je pense. Niveau d'agité augmenté, ok. Ok. Oh, niveau de légende. Ça, c'est pas mal, ça. Donc, esquive. Ok. Ça c'est pas mal, il y a un nouveau truc, ça s'appelle niveau de légende, ça peut être intéressant. Avant que les... Ah ok, avant que l'astéroïde ne touche la planète. Bon les gars, je me suis totalement chié deux fois, non ça va pas le faire. Non mais les mecs. Ouais mais les mecs, sérieusement. Tu vas pas le faire. Non. Je suis beaucoup trop rapide. Je peux pas faire un truc genre recommencer. Franchement ça c'est extrêmement nul. Ça franchement c'est exagéré, on peut pas recommencer ce qu'on a fait, donc on va peut-être voir l'astéroïde. Mais par contre, ouais, même si je me dépêche un peu trop, enfin voilà, je suis un peu maladroit et je trébuche. Et mais au moins que le relancer le compte à rebours, ça aurait été le minimum. Mais par contre, ne pas pouvoir recommencer, ça je trouve ça très très nul ça. Ça je trouve ça ouais, extrêmement nul. Ne pas pouvoir recommencer, c'est un gros point noir. Enfin, de recommencer ou que le compte à rebours se relance. Ok. Bon, la prochaine fois, je saurai qu'il faut que je sois plus calme. Moins de bourrin. Non, non, ta mère, mais non. Mais j'ai sauté bien sur le truc et je me suis pris un truc de merde devant aussi, hein, putain. Bon les gars, c'est sûr, je vais mourir. Hein. L'astéroïde, il vient d'où? Ah merde, attends, c'est ça?
Merde, c'est ça ton astéroïde? Holy crap. Mais techniquement, ça devrait pas me toucher si ça touche la planète. Ok, d'accord. Enfin bref, on va quand même crever, je pense. Merde. Ah oui, ok. Je suis pas dans la notice, les gars, je suis désolé. Donc, vous savez quoi? On va regarder l'astéroïde toucher la planète et on se met en PLS presque, d'ailleurs. Je crois que c'est ça, hein. Je me trompe pas. Le petit truc qui fait pas du tout flipper. Ok. J'ai bien le échec de la quête direct. Tu t'es chié, tu cherches pas. T'es mort. Ok. Veuillez patienter. Ok, je sais pas si ça va bien recommencer en. Enfin, dans le truc. Enfin, on va voir. Ok, d'accord. Carrément. Donc, c'est parti. On va recommencer. On va relancer. Donc, ouais, franchement, c'est mal fait. Si vous devez vraiment attendre 3 minutes, en plus, ça remet pas. Ouais, je vais. Je sais pas ce que j'ai, les gars. Je sais pas ce que j'ai. Bon, ouais, peut-être c'est ça. J'arrive pas à parler correctement. Donc je disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas un compte à rebours des réinitialisables. Ou la mission, tout simplement. Peut-être en obligé de quitter et de relancer. C'est vraiment, vraiment dommage. Ça a l'air intéressant. En plus, Daylight dans l'espace, il a fait un truc bien dessus. Oui, on s'en fout, bref. Dying Spice. Donc là, c'est pas Daylight, c'est Dying Spice. Ça fait un peu Total Spice, d'ailleurs. Donc les gars, premier échec. Je vous le dis, hein, premier échec, j'ai fait de la merde. Donc là, les gars, on va retenter tranquillement. Ok, go. On va se dépêcher, mais on va prendre notre temps, on va bien observer tout ce qui se passe. Ok. Par contre, on est habillé en mode classe. Ok. Enfin, aussi, il va falloir me dire, les gars, on est dans l'espace, le mec arrive à respirer, hein, aussi, hein. J'aimerais bien qu'on m'explique. Hein. Ok. Donc là, les gars, j'essaye. C'est des fois, il escalade beaucoup plus rapidement, donc c'est pour ça que j'ai pas trop l'habitude. Ok. Ok, déjà, on commence bien. Je suis jamais allé aussi loin d'ailleurs. Dans cette mission en même temps c'est normal. Ok. Capsule d'évacuation, ok. Donc en fait on va être évacué et on va pouvoir se barrer autre part, c'est ça? Ok, ah il y a d'autres côtés différents. Ouais. Par contre là je sais pas trop où il faut aller, frère. Ouais, foutu. Évidemment. Ok. Hey, hey. Bon, envie de me mettre des screamers là, putain, j'ai fait une vidéo avant, c'était plein de. C'était jonché de screamers, donc au moment, tu vas te calmer. Hein. Gertrude, ok. Je peux passer par là. Oh. Ok. Ok. Je peux être du tout confiance. Ok. 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 Il reste une minute, les gars. Ok. Oui. Go. Oh, sa mère. Il reste une minute. En tout cas où. Oui c'est bon j'y suis les gars. Oh bah je spam. Oh ta mère. Par contre les gars imaginez il vous restait une seconde et vous pouvez pas le faire. Ça ferait chier sérieusement. Ok. Yeah c'est bon. Mission complete les gars. Quittez le site dans une capsule de survie. Ok. Ok je vais être en faire option. Je ne sais pas ce qui va se passer. Oui. Un after, veuillez patienter, ok. Heureusement que j'ai pas sauté non plus, on est d'accord. Je sais pas si c'est fini. Après, si c'est que ça, c'est un peu dommage. C'est juste un petit truc de plateforme sympathique, mais. On va voir. On va voir, pour l'instant, c'est que le début.
Bah non, non, c'est fini, c'est fini. Donc voilà, donc la deuxième voilà, vidéo sur ce sur ce voilà sur ce cette carte personnalisée. Donc Space Mission ou Victor Pekala. Donc merci Victor Pekala, hein, c'est l'auteur de la vidéo. De la vidéo, non, c'est moi l'auteur de la vidéo. C'est l'auteur de la carte personnalisée. Et évidemment, je tiens à le dire, merci à Joshua Lucas Meimet de voilà, trouver un moyen de quitter la maison. C'était dans la vidéo d'avant. Donc voilà, merci à toi pour la vidéo d'avant de m'avoir bien fait flipper. Donc voilà, je vous fais tout simplement des bisous les gars. Je vous demande tout simplement de lâcher un j'aime et un commentaire si vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez surkiffé, partagez-la. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo, enfin prochaine partie, comme vous voulez. Enfin, ça dépendra aussi comment je veux l'appeler. Donc, A Sunken World par Victor. Oui, par encore Victor Pekala. Étonnant, il en a fait deux. Ok, donc une expérience courte en solo. Ok, bon, on va voir ce qu'il a fait. Il a été quand même choisi deux fois pour faire deux maps différentes. Bon, c'est pas grave. Bon, on se retrouvera dans ce nouveau monde. Allez, à plus tard tout le monde. Ciao.